C'est sur les terres chaumontaises que le 61e régiment d'artillerie a organisé, le jeudi 24 novembre, le National Terre de Cross Country 2011. Cette épreuve, sélective pour les championnats de cross country interarmées 2012, a rassemblé près de 600 participants de l'armée de terre dans le cadre du parc Audin de Château-Vilain. Alors, le choix du parc, c'est la zone vraiment la plus appropriée dans la région pour effectuer le cross. C'est pas très loin du régiment. Ce matin, on a regroupé environ 590 coureurs. Et c'était notre quatrième organisation au niveau national terre, après 1994, 2001 et 2003. Afin que tout se déroule au mieux, plus de 80 personnes du régiment ont participé à l'organisation de cet événement. En termes d'organisation, il s'agit d'une activité importante pour nous. 80 personnes du régiment, avec quelques renforts venant du groupe de soutien de la base de défense, sont dédiées à cette organisation, que ce soit pour le jalonnage, le montage des tentes, des infrastructures, l'accueil et le soutien des participants. 80 personnes, c'est la valeur chez nous d'une unité élémentaire de drone tactique. Donc vous voyez, c'est une batterie qui s'est investie pour le soutien du Cross National Terre. Super. Dur. Ouais, génial. Bon, la Haute-Marne est un département d'ailleurs qui se prête particulièrement compte tenu du fait que c'est un département très boisé à ce genre d'activité et permet effectivement de faire les présélections pour donc le Cross Interarmée en 2012. C'est dans la salle des fêtes de Château-Vilain, aménagée pour l'occasion, que les autorités ont remis coupes et médailles aux nombreux champions. Rendez-vous pris maintenant pour les coureurs au championnat de cross-country.